Nous avons tous un rêve. Le peuple juif est un peuple de visionnaires. Yosef HaTzadik était le plus grand rêveur de tous les temps. Yaakov Avinu a rêvé d'une échelle reliant la terre au ciel. À notre tour, nous poursuivons ces visions oniriques en faisant face à nos idéaux. L'expansion du message de la Torah, la réussite du peuple d'Israël, celle de l'État d'Israël. Grâce à Dieu, petit à petit, les rêves deviennent réalité. Institution Beit HaMidrash d'Elon Moré, jusqu'au bout de nos rêves. On a tous notre rêve. Every person has a dream. Lekol echad yesh et hachalom shelo. Cela fait maintenant plus de 30 ans que le Beit HaMidrash d'Elon Moré œuvre afin d'aider ses étudiants à réaliser leurs rêves et ceux du peuple juif. Aujourd'hui, les institutions Elon Moré proposent un remarquable éventail de structures toraniques, éducatives et sociales. Une yeshiva tesder combinant l'étude talmudique et le service dans Tzahal, un kollel rabbinique, un centre d'édition toranique, un suivi spirituel aux étudiants universitaires, un lycée yeshiva, un institut de judaïsme pour filles et un projet communautaire destiné au renforcement de la cellule familiale. Le Rav Eliakim Levanon met en œuvre tout son savoir et toute son expérience afin de permettre à chacun de ses élèves d'exploiter l'essentiel de ses capacités et de prendre une part active à l'épanouissement de l'État juif. Il faut avant tout établir des bases de Torah solides sur lesquelles s'élèveront des Talmidei Chachamim entièrement dévoués à cet idéal suprême. Le principe éducatif établi par le Rav Levanon s'applique tout d'abord dans le cadre du lycée Yeshiva situé à Elon Moré. Grâce à l'atmosphère chaleureuse qui a fait la renommée de l'établissement, les jeunes garçons obtiennent des bases morales solides et des résultats remarquables au baccalauréat. Nous attachons beaucoup d'importance au rapport élève-enseignant, ce qui rend l'ambiance ici très familiale. Pas plus tard qu'hier, les étudiants de terminale ont dîné chez moi. Certains d'entre eux se rendent dans des écoles afin d'aider les plus jeunes écoliers dans les matières Kodesh. D'autres vont distribuer des colis alimentaires. Nos lycéens obtiennent pratiquement tous le bac. Ils apprennent les lois de la cacheroute et de la conduite au foyer. Ils suivent un entraînement au service militaire et une préparation à l'entrée à la yeshiva. C'est en fait l'âge où les jeunes façonnent leur personnalité. Nous apportons à chaque élève le bagage éducatif et moral qui le suivra pour le restant de ses jours. Non loin de là, siège le Beit HaMidrash de la yeshiva Birkat Yosef, le cœur des institutions d'Elon Moré. Plus de 200 étudiants s'adonnent à leur étude, nuit et jour, profitent d'un suivi éducatif et d'un enseignement toranique orienté vers l'action. En arrivant à la yeshiva, j'ai tout de suite ressenti l'atmosphère quasi familiale. Quand on voit l'intérêt spécifique apporté à chacun, on se rend compte de leur intérêt sincère à notre épanouissement. Mon rêve à moi, c'est d'être agronome en Israël, de développer le pays. Et je crois qu'à la yeshiva, j'ai reçu les forces de le faire le meilleur que je peux. Je prends d'ici des forces qui seront avec moi toute la vie. Durant les vacances, beaucoup d'entre nous vont faire du bénévolat auprès d'enfants handicapés. Et ça démontre à quel point il existe une connexion entre la Torah étudiée à la yeshiva et le monde qui nous entoure. La yeshiva nous apprend à nous donner à fond dans tous nos agissements, que ce soit lors de l'étude de la Torah ou à l'armée, nous saisissons le sens et la valeur de notre service militaire. Partout où ils se trouvent, ils font leur maximum pour être les meilleurs. À la yeshiva comme à l'armée, ils mettent autant de cœur à l'ouvrage. Au terme du cycle d'études, chaque élève sera capable de réaliser ses rêves et faire preuve d'un total dévouement envers sa patrie.
L'agriculture est une priorité nationale. Étendre notre souveraineté sur notre patrimoine en Judée, en Samarie. Je me trouve au carrefour de mes plus chères ambitions. La terre d'Israël, l'implantation, le commerce. Et je dois l'accomplissement de mes rêves au Beit HaMidrash et au Rav Levanon. Je m'appelle Yossi Amos, ancien élève Ben Moré. Nous avons incorporé ici un jeune garçon inapte à servir dans l'armée. Il a trouvé lui aussi un moyen d'être profitable à son pays. Nous en sommes tous très très fiers. Le Rav Levanon est un sage de grande envergure qui a su nous enseigner à tous le moyen d'apporter une expression concrète et sociale à la Torah étudiée au Beit HaMidrash. J'ai fait partie de la première promotion. Nous étions une dizaine d'étudiants, tous avec le même sens du devoir et la même conviction de l'importance de l'étude de la Torah en ce lieu. On a appris l'importance du don de soi, d'être toujours prêt à servir son peuple. Voir l'étendue des institutions aujourd'hui dépasse nos rêves les plus fous. Elon Morey surplombant la ville de Shrem en Samarie. C'est au sommet d'une de ces collines qu'a retenti pour la première fois la promesse faite à Abraham. C'est à ta descendance que j'accorderai cette terre. C'est aussi le patrimoine et l'endroit où repose Yosef HaTzadik. Il savait mieux que tout autre conjuguer les idéaux spirituels aux actes concrets et les plus oniriques objectifs en un mode de vie à portée de main. Institution Beit HaMidrash d'Elon Morey, jusqu'au bout de nos rêves.